Amour à tous. Alors, bon là j'ai enlevé tous les téléphones. J'ai fermé pour pas entendre le chien. Voilà, on devrait pouvoir arriver à quelque chose de bien. Donc c'est un message marial que j'ai reçu le 20/11/2013 et que j'ai fini il y a quelque temps. Je vous donne mon mail. Donc Roland, Roland, Biot, Bizlotte, 84. Tout en petites lettres, sans point ni virgule, et tout accroché, @gmail.com. Donc voilà le message de Marie. Amour, mes chéris. Willy, par ses accents, vous a sûrement surpris. Ne se donner qu'à Dieu jusqu'à Noël vous a sûrement troublé. Au pire, le sujet se révélant limitatif. La vie est expansion. Dans le dernier sacrement dominical, nous avons approché à la mesure de votre accueil que nous vous intégrions. Qu'à partir de maintenant, nous sommes en vous. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais la connaissance de la vie a besoin d'un appel pour se révéler. Il te faut donc descendre dans le puits de la logique pour caresser l'évidence. Tu sais que Dieu te constitue au niveau des gouttes de ton sang, mais s'il peut te dire que tu es tout-puissant dans le bien, c'est pour la même raison. Il est donc en toi, car il est en tout et partout. Et même si nous possédons une merveilleuse autonomie, nous sommes en lui. Dès que la certitude t'agrée, et je sais par vos élans que c'est le cas, par conséquence nous sommes en permanence en toi, et à ton gré, notre rayonnement t'éclaire, et suivant ton envie, fulgure sur le monde. Dieu t'a toujours dit un seul me suffit. Vous êtes des milliers. Est-ce que le nombre pallie à la qualité? Pas vraiment, puisque vous avez tout reçu et recevez ce qu'il vous faut pour atteindre le summum qui est le minimum, pour déflorer la cachette de la corne d'abondance et les premières apparences du paradis. Mon dernier mois m'avait offert le moyen de transmettre la lumière, pas seulement celle de Dieu, mon rayonnement personnel. Il ne laissait plus d'ombre, ma passion étant pour le moins la vie de ma tendresse, à divers niveaux par rapport aux sensibilités diverses. Cette puissance d'action vous ayant fait éprouver à la fête de la lumière, que j'avais acquis une autre dimension. Il est vrai que chaque série d'actes polarisant la fécondation définit la personne par une substance nouvelle. La prochaine fête, c'est Noël, si l'on parlait de ton âme. Le foyer sacré déjà l'emplit. Pas de surprise, le germe était déjà une parcelle de l'esprit divin. Quand il ment bien. Comment, quand on est le don de soi absolu, peut-on donner un petit bout de soi? L'indifférence laissait la connaissance au niveau de l'appel, au mieux de la foi charbonnière. Vous n'en êtes plus à ce stade. Le grand pas certain, c'est de ne plus aller nous chercher. Vous dire que nous sommes en vous prouve que le nid est doux. Mais si le mot par lui-même est grand, quand tu le laisses indéfini, quand tu affirmes sa possession, c'est que l'accent sur le A qui te montre le haut, pour le haut c'est H-A-U-T, sont déjà les tiens. Elle ne se remplit cette âme exclusivement que par le cœur et la connaissance. Le savoir est précieux, mais connaître inclut l'autre. Le maître des maîtres, ton Dieu sur la terre, qui te fait découvrir la foi. Dans notre ciel, elle ne rime à rien.
puisque nous avons tous les savoirs. Nos actes sont capitaux puisque nous œuvrons en tant qu'être. Sur ta planète, si tu n'as pas réalisé de tout faire avec Dieu, ne se définit aucun acte. Une activité, oui. Des activités si tu es prodigue. Les villes, les campagnes et la brousse ont fait les frais de cet empirisme désastreux. Tu nous as toujours imaginés sur une autre planète. C'était un peu vrai, extraterrestre quand même, mais auteur de la concrétisation la plus aboutie, la plus immense après l'œuvre personnelle et divine. Les empires se sont élevés du temps où je m'appelais Myriam, et aujourd'hui, mais sur la boue. Le royaume surgit du soleil, de ses actions. Sous la forme du foyer, c'est le quartier général des engagements et des pactes qui, sous aucun ciel et dans aucun temps, ne pouvaient être envisagés ni pressentis. Le plus élevé des sentiments des hommes d'action qui se targuaient d'agir ensemble, pas pour un même but, était l'honneur. C'était respectable. À part pour Willy, avec Thérèse, notre premier enfouissement dans la sphère des valeurs des sentiments fut le sauvetage. Pénétrer l'eau glacée de l'indifférence pour en retirer les silhouettes bleuies de ceux qui l'avaient entretenue était un premier exercice qui obligeait les ressources dont Dieu m'avait pétri à se surdimensionner. La matière dolorosa venait de naître. L'horizon s'affaisse devant un premier élan. Thérèse, par son répertoire et ses nouvelles formules, commença à insuffler un éther dans des lèvres sevrées d'oxygène. Des sommes de parents, bien entendu, s'endormaient, permettant l'éveil de centaines de milliers d'enfants pas trop malvenus, incorporant la synthèse claire des arcs-en-ciel jamais compris. Willy, en naissant, sauva les meubles. Je parle des disciples et des assimilés qui avaient le grand besoin de ne pas laisser en souvenir les sentiments humains dont mon frère avait par mission empli son âme pour être pendant un temps la mémoire de votre patrimoine. Nous sommes différents, mais le foyer est le minimum de l'établissement de la cité. Nous ne pouvons pas savoir les effets qui nous transcenderaient, de la traînée de poudre qui amènerait le triomphe. Mais il est certain que de fécondation, de révélation en révélation, les multiples attributs de Dieu, catalysés par des sensibilités enflammées, auraient au fait de susciter des amoureux. La cité ne sortirait pas de quelconques abysses, mais fleurirait sur le terrain individuel de tous ceux qui auraient exécré la stérilité. Dieu y tient, il l'a prouvé. Nous y tenons aussi. Laissez vibrer en vous ce bouillonnement d'absolu doit vous donner le frisson d'une réussite prodigieuse. Si tu ne le ressens pas, c'est que la cité et son avenir ne t'a pas intéressé au point d'en cultiver la germination. Éprouve alors mon amour, ma tendresse infinie, qui est née de l'adorable prétexte à la vie et qui t'a trouvé. Si tu t'en sens imbibé, il n'y a plus loin de la coupe aux lèvres, surtout dans cette période noélique. Je peux te rendre ivre de bonheur, mais déjà, ressentir un plus grand plaisir, un plus doux bien-être, rejoins la loi de l'expansion. Le but étant que tu brûles sans te consumer. Si tu t'es fait de granit, d'eau ou de vent, tu n'es pas combustible. L'essence s'enflamme bien, la tienne, ta nature profonde, si proche de celle divine. Le bois aussi, celui dont on se chauffe. Être l'âtre qui rassemble le foyer, réchauffe les corps, permet les échanges. Ces éléments ne peuvent se nommer que parce que l'amour existe, cette récente ultime création possédant l'avenir de l'homme par le besoin de Dieu de te faire connaître son bonheur d'être.
Il vivait avant cette envie, créant, composant tout ce qui lui plaisait. Il n'y a pas de comparaison sur la terre. Même celui qui ne voit pas le temps passer car un projet lui tient à cœur, ou celui qui passe 14 heures sur un piano en ne vivant que pour arriver à la perfection de sa sonate, rien ne ressemble, ou de très très loin, à la passion divine. Si tu ajoutes de toute éternité, la tête te tourne. Il tirait de son omniprésence, sans éclat de voix ou avec, ce qui ne pouvait jamais être à l'extérieur de lui. Il a nommé en lui l'esprit. Il nous a insufflé en même temps la substance, puisque le mot, particulièrement dans la langue française, qui n'a rien de merveilleux ou de géant, nous trouble, vous dérange, parce qu'il englobe de mystère ou de dépassement. S'il est facilement prouvable par déduction que depuis que la Terre existe, il n'y a jamais eu un flocon de neige identique, si l'esprit pour nous, par souci de commodité, a créé la matière, il est évident que ce même esprit, qui n'est qu'un de ses moyens, a et peut engendrer de multiples autres choses. Le seul univers qui intéresse Dieu jusqu'à l'avènement de la cité, c'est vous et nous. Les étoiles et les galaxies n'intéressent le Créateur que pour titiller les cerveaux des scientifiques et des poètes, ou en tant qu'horloger. C'est souvent pour votre intérêt que vous écoutez quelqu'un vous changer, réalisant qu'écouter est très près d'une action d'amour. C'est parce que je suis touché par vos besoins qu'il me plaît de vous aider à assimiler des compréhensions. Mais à part les moyens de l'esprit pour t'atteindre, c'est du foyer chaleureux de ma tendresse de sœur qu'émane et rayonne le soleil de mon activité. Que tu aies eu des frères et des sœurs ou non, sois sûr que tu sois, je suis la tienne. Tu ne me vois pas, mais tu m'éprouves. Si tu captes ces ondes, c'est qu'elles ont une source. Tu en sais l'origine et tu sais le nombre de pluies et d'orages qui ont dû imbiber mon terrain pour finir par jaillir en résurgence de bonheur, se nichant dans l'alimentation personnelle. Alors l'alimentation, c'est pas de la viande ni du riz complet, hein. Elle s'alimente elle-même. L'aide née de mon amour n'existe que pour que tu aies un sillage qui crée le tien pour d'autres. Cette jolie image t'engage dans la symbiose universelle. Exige, change, aime, cultive le goût de la cité visible et il sera transfusé en tous. Il ne t'a jamais été donné l'ordre de changer quelqu'un. Je vous aime, votre mari. Le chien a aboyé un peu, je ne crois pas que vous l'ayez entendu, parce que j'avais fermé la porte. Voilà, 13 minutes 34, on va mettre le titre et le sous-titre, et vous allez pouvoir